Et de côté Radio Guinée, on va vous informer des différents temps universels. Voici la synthèse à deux. L'actualité est présentée par Adia Kamara. Adia, bonsoir. Bonsoir à tous. La marche de l'opposition syrienne s'est finalement soldée par un mort, plusieurs blessés et des véhicules vandalisés. Les incidents sont survenus à Belle-du-Marché et à Bangoko. Des prisonniers ont été interpellés. Les enquêtes se poursuivent pour élucider. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu hier la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur la question des violences.